Bonjour, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu. C'est votre humble serviteur, l'évêque Alexandre Situ-Situ. Donc, ce soir, je voulais parler sur un thème très capital que tout le monde n'aime pas écouter, que les enfants de Dieu n'aiment pas entendre. Le thème, c'est le péché. C'est quoi le péché pour moi? C'est la transgression de la loi. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir et le temps du soir qui annonce le retour de Jésus-Christ. Donc, j'interpelle à chaque enfant de Dieu, à chaque serviteur de Dieu, que le péché, c'est pas bon. Le péché, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Le péché, c'est quelque chose qui nous cache la face de Dieu. Nous allons regarder les Saintes Écritures. Il est écrit dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset 1. Il est écrit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Donc, nos péchés nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Nos péchés nous cachent la face de Dieu. Donc, bien-aimés, abandonne le péché. Abandonne le mal, abandonne les choses, bien-aimés, qui te bloquent, qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. Parce que Jésus, il revient bientôt. Mais quand il va revenir, quel est ton état, quelle est ta position? Si tu es encore dans le péché, si tu es encore dans l'abomination, si tu es encore dans l'iniquité, si tu fais encore les choses de ce monde, tu viens à l'église et tu dis Alléluia, tu chantes, tu prêches. Mais quand tu sors de l'église, bien-aimé, tu prends ta veste du péché. Ce n'est pas logique. Et la Bible me dit que lorsque Jésus passa, il y a eu un aveugle qu'on appelle Bartimée qui était assis au bord du chemin. Et lorsqu'il criait, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que et Jésus s'est arrêté, il appela l'aveugle. Et la Bible dit, avant qu'il se lève pour arriver vers Jésus, il a jeté son manteau, il s'est dépouillé. Ça veut dire que nous devons nous dépouiller du vieil homme. Nous devons nous dépouiller du péché. Nous devons abandonner le péché. Tu es enfant de Dieu et que tu vis dans le péché, je te dis la vérité, le chemin c'est l'enfer. Tu es enfant de Dieu et que tu vis dans le péché, je te dis encore et je le répète encore, bien-aimé, le résultat c'est l'enfer. Parce qu'il n'y a pas un lien entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas, bien aimé, une relation entre enfant de Dieu et enfant du monde. Tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu prêches l'évangile, tu annonces la bonne nouvelle, mais tu vis dans le péché. Je voulais t'interpeller ce soir, bien aimé, abandonne le péché, laisse le péché, abandonne les choses du monde. Tu es marié, mais tu commets l'adultère, c'est ça le péché. Je voulais te dire, les gens ont l'habitude de dire, il y a des petits péchés et il y a des grands péchés. Bien aimé, non, la Bible m'interpelle, tout péché est péché. Quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a commis l'adultère, c'est pareil. La sentence est la même. Quelqu'un qui a insulté, c'est pareil. Donc tout péché est péché. Donc je voulais te dire, si tu es dans le mensonge, tu es dans le péché. Si tu es dans l'adultère, tu es dans le péché. Si tu es dans la fornication, tu es dans le péché. C'est vrai, nous sommes à Paris. Aujourd'hui, les gens habitent ensemble, ils ne sont pas mariés. C'est ce qu'on appelle la fornication. Or, la Bible me dit, ni les gens qui commettent l'adultère, ni les gens qui commettent la fornication, ni les gens qui commettent l'abomination ne verront pas la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, je t'interpelle, mon frère, ma soeur, abandonne le péché, convertis-toi, marche dans la fidélité. Marche dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi Esaïe nous dit, ce sont vos péchés qui me cachent la face. Donc nos péchés nous cachent la face de Dieu. Nos péchés nous empêchent d'avancer. Nos péchés nous bloquent, bien-aimés. Aujourd'hui, ta vie ne marche pas. Aujourd'hui, ta situation est restée la même. On a gêné, on a prié, on t'a imposé les mains. Mais bien-aimés, regarde d'abord ta vie. Sophonie dit, entrez en vous-même. Examinez-vous, fais l'examen de conscience, regarde ta vie, analyse ta vie, prends un temps bien-aimé, retire-toi seul, fais le bilan de ta vie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui te bloque? S'il y a quelque chose, bien-aimé, qui te bloque, regarde bien ta vie, demande pardon, parce qu'il est le Dieu, il est le Dieu de miséricorde, il y a la souveraineté de Dieu. La Bible me dit, dans les Saintes Écritures, que Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce
en tout lieu, en tout temps, à tous les hommes, qu'il est à se repentir. Bien aimé, on dit le temps d'ignorance. Mais aujourd'hui, je ne parle pas aux païens, mais je parle aux enfants de Dieu. Je parle aux chrétiens. Tu n'es plus dans le temps de l'ignorance, mais tu es dans le temps de la grâce et de la vérité. Donc, pour toi, c'est le moment, c'est le temps de se convertir. Parce que sinon, bien aimé, au dernier jour, tu vas dire, Seigneur, j'ai prié. J'étais à l'église, j'ai annoncé l'évangile, j'ai fait tout, je partais le matin, en plein hiver, je partais à l'église. Jésus va te dire, race de vipère, hypocrite, retire-toi de moi, je ne te connais pas. Quelqu'un me dit amen, Dieu ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que tu faisais semblant. Amen. Tu portais un habit pour dire que je suis chrétien. Amen. Oh, chrétien, bien aimé, c'est marcher à l'image de Christ. Si tu es chrétien, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, je t'appelle ce soir. Nous sommes à la 11e heure. La trompette va bientôt sonner. L'objectif, c'est que, comme il est écrit, à quoi il est bon à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Là, je parle aux frères et sœurs qui disent que Dieu n'existe pas. Bien-aimé, Dieu existe. Je te dis ce soir, Dieu existe parce que je suis un témoin vivant. Je suis la preuve qui prouve que Dieu existe. Donc, si tu ne crois pas, je te donne un conseil de donner ta vie à Jésus et d'abandonner le monde. Christ va te recevoir à bras ouverts parce que Jésus revient bientôt. Abandonne le péché, marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification et tu verras la gloire de Dieu. Vraiment, c'est le message, c'est une petite exhortation que je voulais vous encourager, que je voulais vous interpeller, mais je suis convaincu, ça va te faire du bien. Je suis convaincu que Dieu, il est un Dieu de fidélité, de la souveraineté de Dieu. Amen. Donc, nous parlons vraiment du péché. Parce que le péché, c'est large, c'est vaste. Amen. Donc, je vais énumérer un peu c'est quoi vraiment les conséquences du péché. Bien aimé, les conséquences du péché, c'est la mort. C'est la mort. Amen. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, quand tu fais le péché, quand tu vis dans le péché, bien que tu vis d'une manière physique, mais spirituellement, tu es déjà mort. Amen. Mais il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore faire un quart de tour. C'est-à-dire, quitter l'étape du péché, quitter l'étape du mensonge, quitter l'étape de l'adultère, de la fornication, et rentrer dans la présence de Dieu avec un cœur pur, avec un cœur sanctifié, avec un cœur zélé pour marcher selon les saintes écritures. Parce que mon message, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est l'intérêt du royaume. Pour l'intérêt du royaume, je t'en supplie, mon frère. Parce que Jésus revient. On a dit quand, mais je te dis que c'est imminent. On ne sait pas au moment où je vous parle. Amen. Christ va arriver. Mais lorsqu'il va arriver, quelle serait ta position? Est-ce que tu iras ensemble? Dans le livre de 1 Thessaloniciens, la Bible dit qu'au son de la trompette, Jésus va apparaître. Les morts en Christ seront ressuscités et nous irons ensemble avec le Seigneur. Mais tu ne peux pas aller avec le Seigneur avec un habit du péché, avec un manteau du péché. Bien-aimé, repens-toi. Bien-aimé, repens-toi. Bien-aimé, je dis encore, repens-toi. Laisse le péché, laisse la femme d'autrui, laisse le mari d'autrui, laisse le mensonge. Abandonne, bien-aimé, l'iniquité. Abandonne, bien-aimé, le péché. Abandonne ces choses parce que ça t'amènera nulle part. Ça t'amènera nulle part parce que ce qui est important pour toi et pour moi ce soir, c'est que notre âme soit sauvée. Notre âme ne puisse pas aller dans la jungle. Notre âme ne puisse pas aller en enfer. Que le dernier jour, nous soyons dans la présence de notre Père. Mais si tu es dans le péché, bien-aimé, comment tu vas faire? Nous devons nous préparer. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons défendre la cause, l'intérêt du royaume. Mais si on voit les péché, l'église est dans le péché, tout le monde est dans le péché, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, bien-aimé. Abandonnons ces choses. Je t'ai dit ce soir, abandonne ces choses, repens-toi. Parce que la Bible dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est
proche. Le royaume des cieux est proche. Repens-toi, ma sœur. Repens-toi, mon frère. Arrête de faire l'hypocrisie pour dire que je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. C'est vrai. C'est bien. Mais pour que tu portes une étiquette de l'enfant de Dieu, d'un chrétien bien-aimé, tu dois vivre selon les Écritures. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Je voulais parler aux jeunes qui sont des chrétiens, qui marchent dans le plaisir de ce monde. Parce qu'il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'État aime le monde, les prédicateurs aiment le monde, l'Église aime le monde. On a cherché l'Église, on a trouvé dans le monde. On a cherché le monde, on a trouvé dans l'Église. C'est le monde en l'envers. Non, bien-aimé, non, bien-aimé, 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 faut pas aimer le monde. Parce que Jésus revient bientôt. Quand il revient, il te trouve dans le monde, tu n'auras pas la place. Ça serait trop tard. Quelqu'un dit amen? Ça serait trop tard. Mais là, Dieu nous donne une opportunité. Dieu nous donne une opportunité de nous repentir. Dieu nous donne une opportunité de changer de comportement. Dieu nous donne une opportunité d'abandonner ces choses. Dieu nous donne une opportunité, bien aimé, de se convertir. Dieu nous donne une opportunité de donner sa vie à Christ. Dieu nous donne une opportunité. Comme la Bible dit, le juste tombera sept fois. Sept fois, il va se relever. Tu es tombé sept fois, mais tu peux encore te relever. Quelqu'un me dit amen. Tu es tombé 10 fois, mais tu peux encore te relever. Quel que soit là où tu es tombé, bien-aimé, il y a des gens qui sont à la maison. Il y a des gens qui ne veulent plus aller prier. Il y a des gens qui ne veulent plus aller dans les églises à cause de nos serviteurs. À cause de nous, parce que je suis homme de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. J'annonce l'évangile. Je suis en train de draguer les l'église. Et ces soeurs-là sont découragées. Je suis en train de promettre le mariage à tout le monde. Et ces soeurs-là sont découragées. Quelqu'un, bien-aimé, qui est découragé, qui a des blessures intérieures, va rester à la maison. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a commis des dégâts. Non, non, de Dieu, non, serviteur de Dieu, abandonnons ces choses. Abandonnons, bien-aimé, toutes ces choses qui nous amènent vers l'enfer. Abandonnons toutes ces choses parce que c'est que je sais, Jésus, il revient bientôt. Je suis en train de sonner la trompette. Jésus, quand il va revenir, il ne va pas venir prendre les gens qui sont dans le péché. Quand Jésus va revenir, il ne va pas venir prendre les gens qui sont dans l'adultère, dans la fornication. Donc, si tu commets l'adultère, si tu vis dans la fornication, c'est le temps d'abandonner. Si tu vis dans le mensonge, c'est le temps d'abandonner. Si tu prends aussi la cigarette, c'est le temps d'abandonner. Si tu marches, bien-aimé, dans les choses de ce monde, c'est le moment de changer de manière de faire. C'est le moment de prendre la décision, de prendre l'engagement, d'être déterminé et d'avancer avec le Seigneur. Parce que la Bible me dit ceci, que nous sommes une race élue. Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, Dieu t'a pour que, bien-aimé, tu voyes sa gloire. Mais c'est le péché qui te bloque aujourd'hui. Tu jeûnes, tu pries, mais bien-aimé, tu n'arrives pas à abandonner le péché. Tu n'arrives pas. On dit que le pasteur n'a pas de puissance. Le pasteur, non, bien-aimé, ce n'est pas le pasteur qui sauve. Ce n'est pas le pasteur qui guérit. Ce n'est pas le pasteur qui délivre. Ce n'est pas le pasteur qui change la vie de quelqu'un. Mais c'est Jésus, le seul qui est capable de changer ta vie. Le seul qui est capable de bouleverser ta vie. Le seul qui est capable de te prendre de la poussière à la gloire. Le seul qui est capable de changer le cours de ton histoire. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Il faille que tu demeures dans sa présence. Comme Habakkuk chapitre 2, la Bible déclare que j'étais à mon poste, bien-aimé, je veillais pour voir ce que l'Éternel va me dire. Cette prophétie, elle est certaine, elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. La prophétie, elle est vraie. On t'a donné une parole prophétique, mais cette parole tarde à se réaliser à cause de tes péchés, à cause de tes mensonges, à cause de l'abomination, à cause de la haine, à cause de la jalousie. Abandonne ces choses et tu verras la gloire de Dieu. Abandonne ces choses. Abandonne ces choses. Abandonne le péché. Abandonne le mal. Abandonne, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Je ne fais que sonner la trompette en qualité de serviteur. Je ne peux que sonner la trompette pour réveiller le peuple, pour réveiller les enfants de Dieu. Le monde est dans le chaos. Le monde est dans la confusion. Le monde, bien-aimé, se trouve, bien-aimé, dans des ténèbres. Mais Jésus-Christ est venu nous éclairer. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Bien-aimé, Dieu t'a appelé pour marcher dans la crainte, pour obéir à sa parole. La Bible me dit, si vous entendez ma voix,
n'endurcisse pas vos cœurs. Tu viens d'entendre la voix du paraclet. Tu viens d'entendre la voix de Dieu. Tu viens d'écouter la voix de Dieu. Abandonne ces choses et tu verras la gloire de Dieu. Abandonne ces choses. Laisse le péché. Laisse le péché. Laisse le monde. Abandonne le monde. Sors, bien-aimé du monde. Sors des ténèbres. Sors de l'adultère. Sors de la fornication. Sors, bien-aimé, de la masturbation. Sors, bien-aimé, de ces choses et rentre dans ta destinée prophétique et Jésus-Christ sera glorifié. Au dernier jour, le Père va te recevoir à bras ouverts. C'est vraiment le message que je voulais partager avec vous. C'est votre humble serviteur, l'évêque Alexandre Situ-Situ de la Mission Internationale Grâce Divine. Nous sommes basés au 5 rue Montespan, 91 000 Évry. Nous sommes aussi basés à Rouen, dans 1 rue Georges Cuvier. Et nous sommes aussi basés au Cameroun, précisément à Douala. Et nous sommes aussi basés au Congo, précisément à Pointe-Noire. En tout cas, si vous avez besoin de sortir du péché, je peux toujours continuer à vous encourager. Mon numéro, c'est 06 23 67 01 95. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Amen. Shalom. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358. Achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactole TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, le majestique hôtel Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benkwen na bwalaku tala babuti toku sala makambo kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Pactole TV, qui se veut être la vitrine de la louange, vous propose Gospel View. Gospel View, c'est l'émission qui valorise vos vues du net. Titre du moment, les clips les plus suivis, Gospel View vous dira tout. Gospel View avec Précis Zonzolo, dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens.
Dans cette émission, nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux. Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net. Alors soyez connectés pour découvrir ces tubes. Gospel View, c'est sur Pactol TV. La chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence. Waouh, c'est super! Floro Musical? Ah oui, ça c'est bon! C'est super! Floro Musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous car qu'on s'appelle Samoninga Moto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Flairon Musica, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. A tout à l'heure. Zamba lolo muti masali kemba jaloux basala. Ouais, ouais, ouais. Bazoa zéro.